et ressuscité. Ce matin, le tombeau est vide. Ce matin, ne vous attardez pas devant ce tombeau, encore moins à l'intérieur, mais passez votre chemin, car il n'y a plus rien à y voir, et surtout, plus personne à y trouver. Ce matin, nous pouvons exulter, car Jésus est vivant. Ce matin, l'heureuse nouvelle nous dit que cette résurrection, Jésus veut nous en faire profiter. Elle est pour nous aussi, et dès cet instant, nous pouvons la saisir pleinement. Chantons cette bonne nouvelle, le Christ est ressuscité, Jésus sort de la tombe, des trois strophes. Thank you.
que nous sommes sûrs de l'amour de Dieu pour nous, nous pouvons reconnaître devant lui ce qui nous sépare de lui. Seigneur, nous reconnaissons devant toi que notre confiance est faible. Nous voulons être forts par nos propres moyens et forcément nous échouons. Nous ne donnons que trop peu de place à ton esprit dans nos vies au profit de nos propres projets. Bien que nous ne la recherchions pas forcément, nous savons que nous avons besoin de ta présence en nous. Car nous savons, Seigneur, que vivre à la lumière nouvelle que porte sur notre vie ta résurrection, tout cela n'est possible que lorsque nous te laissons agir en nous. Cette vie nouvelle n'advient pas par nos propres forces, ni par la puissance de notre volonté, mais par ton esprit. Devant le vide du tombeau, que ton esprit nous ouvre à cette lumière nouvelle, cette lumière de vie. Oui, Seigneur, nous t'en prions, prends pitié de nous, dis-je. Dieu m'a secouru. Le Seigneur est sans pareil.
Notre Dieu seul est un rocher. À part lui, il n'y a pas de Dieu. Le Seigneur fait mourir et fait vivre. Il fait descendre dans le monde des morts et il en fait remonter. Le Seigneur appauvrit et enrichit. Il abaisse, mais il élève aussi. Le Seigneur remet debout le misérable tombé à terre et le malheureux abandonné sur un tas d'ordures pour leur donner les places d'honneur en compagnie des gens importants. Au Seigneur appartient toute la terre. C'est lui qui l'a posée sur ses fondements. Nous chantons le chant suivant, Jesus lebt, mit ihm am Tisch, 3 strophes. Très tôt le dimanche matin, au lever du soleil, elle se rendit.
dire au tombeau. Elles se disaient l'une à l'autre, qui va rouler pour nous la pierre qui ferme l'entrée du tombeau? Mais quand elles regardaient, elles virent que la pierre, qui était très grande, avait déjà été roulée de côté. Elles entrèrent alors dans le tombeau. Elles virent là un jeune homme, assis à droite, qui portait une robe blanche, et elles furent effrayées. Mais le jeune homme leur dit, « Ne soyez pas effrayés. Vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qu'on a cloué sur la croix? Il est revenu de la mort à la vie. Il n'est pas ici. Regardez, voici l'endroit où on l'avait déposé. Allez maintenant dire ceci à ses disciples, y compris à Pierre. Il va vous attendre en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Les femmes sortirent alors et s'enfuirent loin du tombeau, car elles étaient toutes tremblantes de crainte. Et elles ne dirent rien à personne, parce qu'elles avaient peur. Seigneur, ta parole est la vérité. Enseigne-nous à marcher selon ta vérité. L'aube s'incline, ô Christ. Alors non, vous avez bien entendu, je n'ai pas dit la victoire du courage
sur la peur, j'ai bien dit, la victoire de la confiance sur la peur. Parce que le courage, c'est très bien, c'est une très belle qualité. Vous en êtes tous perclus de cette qualité, j'en suis sûr. Vous avez plein de courage. Et cette qualité est très efficace pour plein de peurs, mais seulement certaines peurs. Par exemple, j'avais prévu de dire ça pour un ado garçon, mais comme il y a une ado fille, on va dire, on va changer le truc, je vais mettre des S et des E partout. Alors, vous êtes une ado. Vous avez peur de parler aux garçons. Chloé ne se sent pas concernée du tout, mais c'est pas grave. Une autre ado a peur de parler aux garçons. Et un jour, vous en avez marre, il y a un garçon qui vous plaît vraiment beaucoup et qui vous motive pour prendre votre courage à deux mains. Vous y allez, vous lui parlez, vous rentrez chez vous en ayant pris votre premier râteau. Parce que la première fois qu'on aborde quelqu'un de l'autre sexe, tout ça, ça marche jamais. Mais vous êtes heureux quand même parce que vous avez surmonté une peur incroyablement difficile. Et voilà, ça n'a pas marché. Mais maintenant, le chemin s'ouvre devant vous. La bonne nouvelle de Pâques ne concerne pas ces petites peurs, les peurs. Parler aux garçons ou aux filles quand on a 13, 14, 16 ans, non, c'est pas de ça dont il s'agit. Éviter le vaccin parce que ça fait mal les pigeons, c'est pas de ça qu'il s'agit. Une araignée, une souris, rater le bac, le permis, c'est pas ces peurs-là qui sont concernées. La bonne nouvelle de Pâques concerne les peurs ultimes. Celles contre lesquelles nous ne sommes pas de taille, physiquement, spirituellement, voilà, on n'est pas à la hauteur. Parce que dans la vie, il y a bien des choses qui sont plus fortes que nous, des choses contre lesquelles aucun courage, même le plus grand, n'est de taille. C'est cette chose à laquelle les femmes qui se rendent au tombeau sont obligées de faire face. Et la pire de toutes, et vous la connaissez vous aussi, la mort de l'être aimé. La mort de l'être aimé est la mort d'une partie de nous-mêmes. La mort de l'être aimé nous plonge dans une fragilité, dans une vulnérabilité sans pareil. La mort de l'être aimé est une blessure souvent mortelle. Et quand on est blessé, eh bien, il n'y a pas le choix, il faut guérir. C'est une question de vie ou de mort. Toutes les guérisons prennent du temps, qu'elles soient physiques ou psychologiques. Et plus grande est la blessure, plus profonde l'entaille, plus le temps nécessaire pour la guérison est important. Toutes les guérisons, également les guérisons spirituelles. Toutes les guérisons, également nos résurrections, toutes nos résurrections, et en particulier celle qui nous importe le plus, la dernière, l'ultime résurrection, qui, on l'a dit avec Paul, on l'a entendu plutôt Paul le dire, est semblable à celle du Christ. Comme le Christ est ressuscité, nous sommes appelés à la même résurrection. Alors pour ces femmes en route vers le tombeau, en plus du remords de n'avoir pas été à la hauteur, et vendredi on l'a rappelé, personne ne l'a été ce jour-là, personne ne l'est tous les jours de sa vie à la hauteur, et bien pour ces femmes, les voilà soumises à la peur de ne pas pouvoir faire ce qu'il faut pour le corps sans vie de leur maître bien-aimé, puisque son tombeau a été scellé par une grosse pierre. Elles ont aussi peur lorsque, au lieu de trouver le corps de leur maître, elles trouvent un inconnu tranquillement assis là dans le tombeau. Elles ont encore plus peur lorsque cet inconnu leur annonce que Jésus n'est plus mort. Elles l'ont vu mort, placé dans ce tombeau, et deux jours, trois jours après, il n'est plus mort. Comment est-ce possible? Tellement peur qu'elles s'enfuient, tremblantes. Tellement peur qu'elles n'en disent rien à personne, alors que leur mission, c'était d'ouvrir la bouche pour une fois qu'on leur permettait de... Ben, trop peur pour parler. Quelle fin décevante, non? Choquant.
pour moi, choking en anglais. Ou alors plutôt, disons-le autrement, quel commencement décevant. Parce que nous, on l'a dit, on connaît la suite. On sait que cet évangile-là, dans sa version courte, Marc, se termine là. Mais les trois autres évangiles, et même Marc dans sa version longue, continuent. Et puis il y a les actes des apôtres, et puis il y a toutes les lettres de Paul, de Pierre, etc. Et puis il y a toute l'histoire de l'Église jusqu'à aujourd'hui. On connaît la suite, on connaît le chemin d'Emmaüs, on connaît la deuxième pêche miraculeuse et le barbecue sur la plage, on connaît tout ça. Ce qui veut dire que, encore un autre exemple, nous sommes là aujourd'hui. Ça veut dire qu'à un moment, elles ont parlé. Elles ne se sont pas tues à jamais. Sinon, nous ne serions pas là. À un moment donné, elles ont surmonté leur peur. À un moment donné, elles ont enfin vraiment entendu les premiers mots que l'inconnu dans le tombeau leur a dit. Est-ce que vous vous souvenez des premiers mots? Les derniers, c'était « elles avaient peur ». Les premiers mots que l'inconnu, l'ange, leur dit, c'est « n'ayez pas peur, ne vous effrayez pas ». Enfin, à un moment donné, elles se souviennent de ça. À un moment donné, elles sont arrivées là où Jésus les attendait. On ne sait pas quand ni comment elles y sont arrivées, mais elles y sont arrivées, puisqu'encore une fois, nous sommes là. La bonne nouvelle de la résurrection, c'est aussi ça. Jésus vous précède et il vous attend là où vous devez être. Jésus vous attend par-delà vos peurs ultimes. Vous aurez toujours peur des araignées, mais il y en a d'autres qui vont être surmontées. Vous êtes persuadé peut-être que vous êtes tombé trop bas, que vous ne pourrez plus vous relever, que vous n'aurez plus jamais la force d'avancer à nouveau, et pourtant Jésus vous attend là où vous devez être, et ce n'est pas ici, c'est là-bas. N'ayez pas peur, vous n'avez pas perdu Jésus, votre bien-aimé, et lui-même ne vous a pas perdu, vous, ses bien-aimés. Non, n'ayez pas peur, celui que vous cherchez dans la tombe n'est pas ici. Et vous non plus, vous n'êtes pas voué à la tombe, vous n'êtes pas voué à la mort, car Dieu vous a destiné de toute éternité à la vie. N'ayez pas peur, car Dieu ne vous laisse pas sombrer dans la mort, au contraire, il vous déplace toujours et encore de la mort à la vie. De la terre au ciel, de la détresse, à l'espérance, de la tristesse à la joie, de la nuit à la lumière et de la défaite à la victoire. N'ayez pas peur, car Jésus est ressuscité et il vous attend dans votre Galilée. À Pâques, le Dieu vivant vous attend chez vous, là où vous vivez, dans votre maison, votre couple, votre famille, sur votre lieu de travail, parmi vos amis. Et là où vous êtes abattu, il vous relève. Là où vos peurs vous écrasent, il redonne souffle à votre confiance. Là où le découragement, la maladie, l'angoisse, la dépression vous terrassent, il vous donne sa victoire. Alors non, n'ayez pas peur, car c'est pour vous que Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alléluia. Amen.
Élevons nos cœurs. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, il est vraiment juste et bon de te rendre grâce, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ce jour où le Christ notre Pâque a repris vie pour tous les hommes. Le vieux monde disparaît, tout est renouvelé. Le Christ est ressuscité, notre vie est restaurée. C'est pourquoi tous tes enfants, rayonnant de la joie pascale, exultent par toute la terre, tandis que les anges dans la lumière chantent sans fin l'hymne de ta gloire, Dieu saint, Dieu fort. Le Seigneur Jésus, la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit : Prenez, mangez, ceci est mon corps livré pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après le repas, il prit la coupe et il dit : Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang versée pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois où vous en boirez. Ainsi, toutes les fois où vous mangez de ce pain et où vous buvez à cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Nous prions, et pour ce faire, nous nous levons. Père, en prenant ce pain et cette coupe, nous rappelons la mort de ton Fils. Nous proclamons sa résurrection et dans l'attente de ton retour, nous te rendons grâce. Envoie ton Esprit Saint sur nous et sur ce pain et sur ce vin. Que la communion au corps et au sang du Christ nous donne part au mystère de sa présence et nous unisse dans la foi et dans l'amour. Ouvre nos yeux à toute détresse, inspire-nous la parole qui convient. Donne-nous le courage du geste fraternel. Fais de ton Église un lieu de vérité et de liberté, de justice et de paix, afin que chacun puisse y trouver une raison d'espérer. Et dans cette attente, nous unissons nos cœurs et nos voix pour faire monter à toi la prière que Jésus nous a lui-même enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, le pain que nous partageons est communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ, livré pour nous.
la coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce et communions au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, versée pour nous. Inclinons-nous devant l'amour du ressuscité et reconnaissons notre grand besoin de son secours en disant ensemble la phrase qui est sur votre feuillet. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Christe doula potis. Voici, dit le Seigneur, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je dînerai avec lui et lui avec moi. Le Maître vous appelle, venez, vous êtes tous invités, et bien, qui le souhaite. Et on fait un cercle autour de l'autel.
célébrons la victoire de la vie sur toute mort, fais jaillir en nous l'allégresse qui ne pourra plus jamais être étouffée. Rien ni personne ne pourra nous séparer de toi, qui t'est donné en âme en cette célébration pascale. À toi seul la gloire, à nous la joie, pour les siècles des siècles. Allons en paix, sûrs du don précieux et impossible à arrêter qui nous a été fait en ce jour, pour notre vie entière et pour l'éternité.
soit pour chacun d'entre nous celui de la nouvelle naissance, qu'il nous permette de croître dans la grâce et dans la joie de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il nous permette de marcher unis à lui, enracinés et fondés en lui, affermis par la foi et débordant de reconnaissance. Et qu'ainsi que notre Père, par son Esprit, vous accompagne et vous conduise, qu'il vous affermisse dans son alliance éternelle en Jésus-Christ son Fils, notre Seigneur. Et soyez bénis, vous êtes bénis. Amen.